Nouvelle session d'actualité sur BOL, Madame, Messieurs. Merci de toujours nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Le procès sur le détournement présumé des fonds alloués aux travaux du programme de 100 jours du chef de l'État se poursuivit ce mardi avec un nouveau président de séance. Pierrot Obakenge a remplacé le juge Raphaël Yani, décédé il y a une semaine. L'audience de ce mercredi était consacrée à l'audition des témoins, dont Justin Bitakwira. Et pendant ce temps, les députés nationaux seront en plénière ce mercredi. La représentation nationale va auditionner les réponses du vice-premier ministre, ministre de la Justice, aux préoccupations des élus sur les immunités parlementaires. La conférence de présidents a convenu de la mise en place dans les prochains jours du calendrier d'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et enfin, le Olomami et la Tchopo sont les deux nouvelles provinces touchées par le coronavirus. Les bulletins quotidiens de la Riposte de mardi renseignent que ces deux provinces viennent d'enregistrer leur premier cas. Entre-temps, 167 cas sont rapportés à Kinshasa. Les cumuls passent désormais à 3495 cas et un cas probable.